Claire Milon 2019, je vais laisser Jean-Emmanuel Danjoie vous expliquer comment il a vécu ce millésime sur la propriété. 2019, millésime plutôt sec, plutôt chaud, mais sans excès, caractérisé par une longue période de maturation qui a permis d'atteindre des équilibres très intéressants et une qualité tannique absolument remarquable. Les vendanges à Château-Clermilon démarrent le 19 septembre, se terminent le 9 octobre, sans hâte. On a la possibilité de déguster les 224 parcelles de la propriété plusieurs fois afin de définir la date exacte de maturité optimale. Parlons un petit peu de l'assemblage qui donne au Cabernet Sauvignon une part extrêmement prépondérante. En effet, les conditions météo du millésime ont permis à ce cépage sur nos sols de grave d'atteindre une expression absolument optimale. Et c'est un assemblage relativement historique pour la propriété parce qu'à 72% de Cabernet Sauvignon, il faut remonter au millésime 86 de Clermilon pour en retrouver autant. Alors aromatiquement, on est sur un fruit noir frais et mûr, cassis, floral, réglissé. Les descripteurs en bouche, onctueux, crémeux, moelleux, veloutés. En fait, on a rarement des trames tanniques aussi remarquables et aussi suaves. La finale, chocolatée, légèrement réglissée à nouveau, relevée par une fraîcheur mentholée qui complète l'ensemble.